Madame Bessé, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Parler Haïti. Eh bien, si on a le plaisir, on a l'occasion, je vais tourner sur la plateforme avec une autre nouvelle en détail. Nous saluons tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent la chaîne Parler Haïti. Salutations par nous spéciales qui, papa, bon Dieu, bénis nous. Eh bien, on a les informations. Informations, madame Bessé, opposition a annoncé une autre grosse manifestation qui a été pour fête 6 et août qui a venu là. Bataille pour pouvoir, pire toujours, ensemble, organisation opposition. Eh bien, ils ont lancé une autre grosse manifestation à faire 6 août. Eh bien, et ensemble, organisation politique dans l'opposition, ils ont fait connaître mouvement national Petite Dessaline avec eux après la rue pour aller dénoncer ce qui a passé dans le pays et puis pour aller dénoncer Binous tout. Eh bien, Binous, eh bien, ce qui a passé dans le pays. Entendez, et déclaration et quelques dans l'opposition. On n'est pas levé campé. L'imposer pays d'Haïti. Un gouvernement monocéphale en violation article 133 maman loi paysan et gouvernement monocéphale ça son gouvernement qui sans mission l'un dit un gouvernement qui sans mission c'est parce que il pas respecté ensemble des groupes qui bataille dans opposition pas de consensus qui joignent sous gouvernement ça. Malgré ces impérialistes, ambassade américaine qui crée la crise là, eh bien, ils voulaient imposer nous une solution dans l'intérêt américain, dans l'intérêt impérialiste là. Donc, nous-mêmes, nous, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons les États-Unis, pas qu'à à la fois juge et parti en même temps. Et c'est ça que fait, nous opté pour que. Article 133, maman loi paysan, les respecter à la lettre, ça veut dire un gouvernement bicéphale qui gagne un président de la République et un premier ministre, parce que gouvernement monocéphale qu'il a, donc peuple haïtien pas reconnaître lui, parce que pas de bon consensus politique à travers tout secteur dans la vie nationale là, qui mettait le campé là. Eh bien, ça cause gouvernement ça, son gouvernement qui sans mission. En plus, le monde a parlé d'élection. Eh bien, je vous dis, nous dit tout le monde qui a parlé, qui a conjugué vers l'élection, c'est des démagogues. Parce que le peuple haïtien a apprené un gouvernement de transition des routes structurelles et populaires qui va couper fâché avec anciennes pratiques. Et ce même discours, ça, yo. Une série de leaders politiques traditionnels t'a utilisé eh bien, pour sensibiliser la population. Eh bien, une fois que, après la mort de Jovenel Moïse, nous constatons que son gouvernement de transition de rupture, question de changer le système, non. Donc, vers ça, parole ça, on ne peut pas parler encore. Eh bien, nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons qu'il faut que le système change. C'est ça que nous dit. Il faut qu'un nouveau gouvernement de transition qui mette sous pied, dans le respect, dans l'esprit article 133, qui a bien comme mission, eh bien, remettre campé et redynamiser toute institution publique, créer une commission d'enquête pour aller faire une vérification sur comment gestion pays, comment pays a été qu'on a dépensé pendant 15 dernières années qui sont passées. Résoudre problème et sécurité, mettez campé une commission de désarmement pour nous résoudre problème et sécurité une fois pour toutes. Mettez sous pied, craser le conseil électoral ça, et mettez sous pied un nouveau conseil électoral. Laissez nous être capables de parler d'élection. Et à partir de là, nous sommes capables de mettre différents petits pays autour d'une table pour nous joindre. On sert des éléments de solution avec ensemble des problèmes qui ont ravagé le pays d'Haïti. Et le gouvernement ça a une commission tout pour éliminer toute franchise qui ont sert des gros autobrés. T'es gagné parce que franchise ça y est, la cause, l'État a tourné en vache qui s'enlève. Ça veut dire que la cause de l'État pas capable de l'été. Et bien, je vous dis, nous croyons que. Même question, quatre des malades là, son bagage nous doit réviser, et bien ensemble des bagages ça yo, cause nous pas qu'à parler d'élection. Et sans oublier, gouvernement transition ça a une commission tout pour éliminer tout décret que Jovenel Moïse te prend
après 7 février 2021 et après 7 février 2021 et n'a dit tout moun qui en Haïti qui a recevoir comme yo il faut que yo ka recevoir l'argent yo en dollars américains. Et bien dans ça nous dit bataille pour changer le système non pour craser question monopole en haïtien la continuer parce que nous mêmes nous dit bataille la son bataille systémique. Et bien il faut que ensemble des acteurs politiques yo faire preuve de sagesse et d'humilité politique pour que yo joigne une solution le plus vite que possible avec crise pour que nous mettions sous pied un gouvernement de transition, de rupture et structurelle et populaire pour nous poser le pays d'Haïti à la base. Dans le cadre combattre système corrompu ça, l'ensemble organisation politique de l'opposition pas décidé de camper dans la route. Dans le cadre de mobilisation sans ressources, matin encore, nous présenter devant la presse pour inviter la population haïtienne dans un gros manifestation que nous avons fait vendredi 4-6 août 2021 pour nous dire non avec le système PCSUCA. Manifestation ça, il y a un objectif pour nous dire que messieurs, dames qui sont dans le KEPA, place mal encore pour KEP s'accraser, pressé, parce que nous continuer à manger l'argent l'État nous dit que c'est l'argent taxe nous-mêmes qui travaillons, qui payons Mounsayo. Nous pas dit non avec messieurs, dames qui sont dans le KEPA, Mounsayo qui a bien la corruption, l'argent 40 millions de dollars qui est dans le meilleur, parce que tu n'as pas aidé. Référendum, élection, nous m'avons demandé l'argent ça, et c'est vrai que nous disons vendredi 4-6 là, nous avons privé devant le KEPA pour nous demander, messieurs, dames, pour finir les lieux. Après ça, pour nous arriver devant Bini, pour nous dire, madame Lalune, je nous ai dit devant l'ambassade américaine, non, avec l'ambassadeur Daniel Foot, Foot l'idée dans le pays, et puis nous avons dit, madame Lalune, tout, Foot l'idée dans le pays, parce que nous n'avons pas d'accord aujourd'hui. Pour venir imposer nous et puis dicter nous des sacs qui sont bons pour nous faire. Plus jamais, parce que papa de Saline, de Banon et de Bodos, nous sommes peuple qui libre. Haïti pour Haïtien, c'est Haïti qui vous met tête ensemble, qui vous connaît comment pour nous diriger back pays. Et dans ce sens, ça qui fait que manifestation qui dansait pour vendredi, 6 août là, n'a commencé toujours. Sous place constitution, parce que nous disons constitution n'est pas envieuse, constitution ça va pas craser, constitution ça va là, il va pas violer la constitution, parce que ça fait jour de jeudi, puisque ont imposé un premier ministre de facto avec un paquet d'anciens ministres criminels sans nommé, sans sur l'estomac, sans dans l'esprit, et bien on va pas là toujours. Et bien nous disons que nous allons gourmer. Pour ça, pas fait encore. Eh bien, lorsque nous dérapons manifestation sous place constitution, eh bien, la honte toujours la lutte John Brown, la virée de la son qui se battait de Tekin, tombe 4 fois au port, 4 résistance, pour nous faire autour de Delma, pour nous monter Delma, perdre son ville, et puis pour nous arriver devant KEPA, je nous dis déjà, pour la dire, messieurs, dames, KEPA, bon voleur à Kétéo, qui a bien la corruption, 40 millions de dollars qui fait fond dans mes yeux, gaspiller dans mes yeux, puis on remettre l'argent ça, pour vider les lieux, et après ça, pour le devant Bini, nous connaît déjà, et pour parler avec Madame Lalime, pour nous dire Madame Lalime, en son organisation politique de l'opposition et les alliés, tout parti politique à Goumeyo, eh bien, plus jamais Madame Lalime, vous devez quitter pays d'Haïti parce que place pas là encore. Et dans ce sens, ça qui fait que nous lançons mobilisation ça et nous dit que à tout parti politique, à tout militant conséquent, citoyen engagé, professionnel, team machin, secteur protestant, catholique, vaudouisant, et messieurs, nous tous qui avons rendez-vous spécial, et bien c'est vendredi pour finir ça parce que nous disons article 133 de la Constitution respecté à la lettre. Merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, et nous parlons d'un hommage avec l'ancien chef de l'État. Nous ne pouvons pas oublier le dossier, non? Nous pas oublier le dossier. Ça, c'est le premier, le président Jovenel Moïse, et la première fois l'État est adressé avec le peuple, dans la campagne.
L'autre monde pour l'école longtemps. Moi-même, là m'était qu'on pour l'école. C'est dans bata ou bien dans cette pauvre l'acheter soulier pour. Jodi a si nous pas gain cob pour nous acheter soulier neuf. Non shop pour petite nous. Faut que c'est dans pépé aller. C'est dans l'indignité pour nous habiller petite nous. Parce que le son soulier deuxième main, nous allons mettre dans un petit monde pour aller à l'école ou pas respecter. Mais ça nous-mêmes n'a pas de pouvoir, c'est ça les productions nationales. Nous allons encourager le mouvement coopératif en Haïti. Pour nous venir une coopérative cordonnier dans le pays. Pour nous venir une coopérative couturier, coopérative tailleur, coopérative producteur banane, coopérative producteur maïs, coopérative producteur pois, dans tout domaine. Parce que Haïti son république coopérative. Mais pas oublier, nous avons pile problème en Haïti. Que CNC, qui est le Conseil National Coopératif, les chita dans Port-au-Prince, pas jamais une agence dans quel côté dans le pays. Haïti, ce n'est pas qu'à la République de Port-au-Prince. Haïti, c'est Carrefour côté nous. Haïti, c'est toute l'autre province côté nous passé au Haïti. Tant que moi-même, ça y a deux mois, m'a passé m'a le petit trou de nip. L'homme finit jambé rivière Karouk, mon petit petit, qui mettait main devant, qui a demandé, et puis, m'a pas de comprendre. Et puis, il fait ça comme ça. Je dis, ah bon, tout le monde a un problème, je dis, chauffeur a campé moi. Le chauffeur a campé, moi descends de machine, je m'entrée. En an, moi dis madame, ou pas qu'un petit monde petit comme ça pour qu'on 10 ans pour faire la demande. Madame n'a de l'eau saute dans les yeux. Les dîmes, si je ne pas mettre le dehors pour le demander, je vais l'enterrer parce qu'il y a deux jours pour manger. Je vais retirer le copain dans la poche. Mais le copain retirer dans la poche, ça veut dire que je vais un poisson. Même dès qu'il a montré le péché, tout. Madame, ça. L'homme saute Jean de rivière Karouk là, l'eau a descendu dans la mer, rivière, madame n'a été sous pleine bakonoa, 4000 carottes sans rien sur yo. Madame n'a, a mouru grand goût à Kontimoun, l'eau pour aller jeter dans la mer, terre même sèche pas rien sur lui. Est-ce que nous avons un pays pour nous construire comme ça? Gouvernement a monté, gouvernement a descendu. Tout gros politicien yo te gen yeux mais yo pas trouvé parce que me fait 10 ans moi même t'a parlé avec nous nous t'a donné banane non encore pas vrai même il y a 10 ans m'a marché avec projet ça depuis 2002 m'a marché avec chaque gouvernement m'rivé devant chaque président yo dit m'fou parce que m'pa jamais ga réaliser un projet comme ça là me rencontrer Michel Joseph Matéli en 2013. De 2013 à 2015, nous prenons 1000 carottes que l'État a fait, mais nous, ce n'est pas cadeau, non? 3000 paysans qui sont ensemble avec nous, nous mettons ensemble, ils ont associé nos projets. Nous prêtons 6 millions actionnaires, vous avez dit, les gens qui nous accompagnent, mettez 7, nous dérapons le projet à 13 millions. En 2015, nous signons 150 millions de dollars. Paysans, ça y est, 3 000 paysans qui sont pauvres, qui n'ont pas de possibilité pour manger. Je dis, ils ont un projet, ils ont l'espoir. Ils ont 20% de tout ça qui est fait en dedans. Et tout le monde qui travaille en dedans, c'est pas le travail. C'est ça le progrès. Si le mouvement est allé, que le président m'a dit, il est avec nous. C'est pas comme ça. Que le terre, moi-même Jovenel Moïse, je ne vais pas devant nous là aujourd'hui. Haïti, je ne vais pas exporter banane en Allemagne, qui aujourd'hui a vendu 2 euros, ça veut dire 3 dollars américains plus cher, que toute banane qui vient dans le monde entier, banane qui sont en Haïti. C'est pour nous comprendre que nous tous qui là, nous avons côté nous sortir. Nous avons vivre avec richesse nous. Richesse que le pays d'Haïti possède. L'on est venu là, le vin jour. Nous avons vu travail.
Maintenant, qui ça va le bon travail là? Faut le dire. Pays, son pays pauvre lié. Nous n'avons pas de grosses possibilités, mais nous avons terre, nous avons rivière, nous avons mounio, et puis nous avons soleil. Là, on prend quatre bagages à mettre ensemble. Terre, on va planter. L'eau, rivière, on va utiliser pour vous éteindre. Soleil, on va pomper de l'eau pour vous éteindre. Mounio, on va mettre ensemble au travail. Parce que soleil que nous avons gaspillé dans tout pays sous la terre, chaque soleil qu'on a, il a commencé à pomper de l'eau, il n'a pas utilisé gaz encore pour faire pompe marché. Quand surtout en Haïti, nous avons 12 mois soleil pendant l'année. Ça nous fait là. Anciens politiciens, ils ont prêché nous pour nous vivre contre l'autre. Pour nous, yon raï l'autre. Nous-mêmes, ça nous pote pour vous. Couleur nous est rose et blanc. Rose là, c'est l'amour. Blanc, c'est la paix. Nous pas venir dans la guerre à personne. Nous pas venir jour pour vivre yon contre l'autre. Nous pas venir jour pour venir qu'un problème nèg noir, nèg rouge, nèg en haut, nèg en bas, nèg riche, nèg pauvre. C'est ça que mettez nous et à nous hier. C'est ça que nous prêchons nous longtemps. Nous-mêmes, nous venons dire, si nous mettons tête ensemble, nous tous haïtiens, dans le mouvement coopératif là, dans moins que 5 ans, nous avons retiré tête nous pour contre nous dans la misère, pour nous faire l'argent dans la poche nous, pour nous mettre manger dans l'assiette nous, pour nous faire petit nous manger, pour nous payer l'école pour petit nous, pour nous faire vivre à dignité. Parce que nous sommes peuple, même Jacques tout peuple. Chaque fois qu'on parle de nous, c'est hier, yeah, nous toujours parler. Haïti, c'est le premier, pour ne pas dire premier producteur de bananes dans les Caraïbes. Quatrième producteur exportateur de bananes dans le monde. Mais ça a 104 ans. 104 ans. Je dis, après 60 ans, dernière fois Haïti voyait bananes en Allemagne, c'est en 1955. 60 ans après, voilà-t-il, c'est pour mon gars gros homme. Ce monde qui sont musiciens, à quoi l'autre jeune garçon, pas gros homme, mais non, comme nous sommes entrepreneurs agricoles. Moi, prends mon tout côté, mettez-vous travail avec moi. À gros homme haïtien, péruvien, costaricien, dominicain, israélien, américain, allemand, ils ont tout l'autre bois là. Ils ont travaillé avec Tinex à nous là.